Chers pensionnaires, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuries. Oui. Une prime de 3 000 $ sera accordée au pénitencier et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours. 345 ans moins 23 jours, ça fait combien? Vrai Faucon sera votre professeur. Hugues, ami des plantes. J'ai horreur du jardinage. J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Finalement, je me sens la main verte, moi. C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel. Dégage de ma parcelle! Je l'ai vu le premier, Minus. Allons, allons, que se passe-t-il? Le nain de jardin veut me piquer ma place. Je veux être près du mur. C'est mon emplacement, c'est là que j'ai creusé mon tunnel. Bien, puisqu'il aime creuser, emmenez-le donc au trou. Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines. Et alors son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle. En haut du mur, ça me suffira. Le grand salsifis est un bon élève. Il a la main verte. Bah, je les ai lavés pourtant. Ça pousse pas. Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne. Moi, j'ai pas le temps. Dans mon almanach, il parle d'un engrais super puissant, le crottin de Mustang. Ça marche, ça? J'en veux! Le crottin de Mustang est un engrais professionnel. Ce n'est pas pour les amateurs. Ouvre la porte ou je te transforme en compost pour vautour. Laisse ouvert, on revient dans 5 minutes. Merci. C'est la loterie indienne, vous avez décroché le gros lot. Ouais. Le crottin ou la vie. Bibio, pourquoi on s'est évadé si c'est pour rentrer au pénitencier? On serait évadé après, imbécile. Ce crétin a renversé le crottin. Oh, j'y crois pas. Mon pénitencier. C'est le moment de se faire la belle. Suivez-moi. Rattrapez-les. Chouette, une balade en forêt. On n'est pas déjà passé par là? Plus un geste, les Dalton. Oh,
rendez-vous. Vous nous aurez jamais. Ils nous auront tout fait, ces Dalton. C'est là qu'on pique-nique. On peut pas partir sans provision. Oh mon Dieu, tout ce sang! Quelle horreur! Bougez pas, il nous croit mort. Mais discrètement roulez vers la sortie. Ne restez pas là, Miss Betty, ce n'est pas un spectacle pour une dame. Allez me chercher des brancards. Vu les Dalton. Oubliez les brancards, des menottes suffiront. J'ai jamais été très fort à 2-3 oeils. Merci de désherber, vrai faucon. Le pénitencier va enfin retrouver son aspect normal. J'ai encore un peu d'engrais indien. Ça va être notre joker. Ange, comme ça, tu vas te transformer en géant et tu nous feras sortir. Mais enfin, Joe, ça marche que sur les plantes, tu le sais bien. Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête... Ange! Ah! Ça fait la deuxième fois que je me prends des piquants dans les fesses! Elle avait déjà du caractère, ma Cindy. Elle est mordante de son papa. Et elle bavait comme une limace. Il a parlé, le nabo. Non, j'ai bien la fifille à son papounet. Super classe comme héritage. Ouais, et ben moi au moins j'ai pas été adoptée. Moi adoptée, n'importe quoi. Cherche pas, microbe, faut être un Férixène pour faire ça. Oh, et si Cindy avait raison? Si mes parents n'étaient pas mes parents? Sottise! Cindy a dit cela pour t'embêter, voilà tout. Ce test devrait te rassurer. Êtes-vous plutôt fée, ogre ou lutin? Première question, réponse vous invite à manger des cheveux d'or. Et enfin, millième et dernière question, les trois petits cochons viennent se réfugier chez vous. Petit A, vous leur rôtez à la figure. Petit B, vous les cachez sous le lit. Petit C, vous leur donnez des ailes pour qu'ils s'enfuient dans les airs. Réponse B? Alors, ça dit quoi? Rien de concluant. Finalement, ces tests ne sont qu'un ramassis d'idioties. Allez, laisse-moi regarder. Quoi? Je suis 100% lutin. Tu comprends mieux pourquoi t'es petit, la crevette. Nier que Willow et Gregor sont tes parents, c'est comme si l'on niait mes évidentes origines princières. Je veux en avoir le cœur net. Je découvrirai chez mes grands-parents si je suis bien le fils d'un ogre et d'une fée. Tom, attends, c'est bourré de dragons et de trolls là-bas. Chérie, on a attrapé le filet. Corne de bouc, mais c'est Tom. Viens faire un gros poutou à ta mamie.
Je suis rudement contente de te voir, mon moucheron. Oh, tu nous as apporté un ami gosier. C'est mon ami prince. Rappelez-vous, les ogres, ça ne mange pas les princes. Je suis venue vous voir pour que vous me parliez de papa. Est-ce qu'il me ressemblait quand il avait mon âge? Oh, sacré fiston! Dès l'âge de 3 ans, il était capable d'écraser une armée de trolls. Faut dire, avec ses 3 tonnes de pastèques tous les matins, même les dragons, il les envoyait bouler. Ah ouais, quand même. Grégor a toujours eu du biscotto. Il tient ça de moi. Et voilà Pampan, son doudou préféré. Et hop, la vaisselle est faite. Tu vois bien que je n'ai rien d'un ogre. Regarde comme il mange, comme il ronfle, comme il... Il faut se rendre à l'évidence. Je ne ressemble en rien à papa. Oh, c'est tout de même une autre classe. Ah, Tom, quelle surprise tout à fait exquise. Madame, monsieur, c'est un honneur pour moi de faire votre connaissance. Désolé, mon brave, mais les animaux de bas étage ne sont pas acceptés. Repassez donc quand vous serez prince. Tu demandes si ta mère t'a transmis ses gènes de fée, mais comment diantre pourrait-il en être autrement? Tu es trop jeune pour l'exploiter, mais le don de la magie est en toi. Encore un peu de mousseline à la gelée royale. Oui, merci, mamie. Et comment on voit qu'on l'a, ce don? Au maniement de la baguette, voyons. Ta mère ne t'a donc rien appris, sa perlite popette. Bon, essayons autre chose. À toi, retransforme-le en souris. C'est sûr, il n'est pas très doué. On reconnaît aussi la fibre des fées en testant leur aptitude à voler. Voilà des ailes d'apprentissage. Vas-y en confiance, Tom. La magie coule dans tes veines. Il reste le domptage de troll, l'ennemi héréditaire des fées, mais j'ai bien peur que tu n'y arrives pas. Ta mère était très douée à ton âge. Elle se posait sur leur tête, leur caressait les oreilles, et hop là, le troll était dompté. Oh, elle faisait ça, maman? J'en serais incapable. Incapable n'est pas fait. Allez, viens, tu vas essayer. Je me suis laissé dire que l'un de ces monstres errait dans les environs. Ne lui donne pas de faux espoirs. Tu vois bien qu'il tient surtout de son gros balourd de père. Je le savais. Tom, Tom, attends-moi. Où vas-tu? Rencontrer mes vrais parents. Quoi? Tom, attends-moi! Eh oh! C'est Tom! Vous vous rappelez de moi? Tom, connais pas! Perlin Papin, c'est notre tout mini chou. Mazette et sa Perlin Popette, tu as raison, Perlin Maman. Il est revenu, le tout mini chou. Il est avec nous, notre roux doudou, gros poutou.
Je vais prendre le goûter, c'est un gâteau à la pamplemousse. Il est revenu, notre tombe Mimi. Il est avec nous, la petite chérie. Il est revenu. Oui, je sais, mes vrais parents sont un peu. Nunuche, demeuré. Disons, farfelu. Il est revenu, notre petite chérie. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont complètement toc-toc ou quoi? Hé, hey, toi! Lâche mon ami ou je te transforme en bouillie! C'est l'oreille et hop là, le troll était dompté. Ah oh, enfin te voilà. On dirait que tu t'en es bien sorti avec ce troll, mon grand. Tu n'es pas le fils d'une fée pour rien. D'une fée et d'un ogre. Mais alors, vous m'avez pas adopté? Adopté? Mais d'où te vient cette idée saugrenue? Ça paraît papate, mais c'est Cindy. Elle est revenue, la Cindy, si, si. Elle est parmi nous, la chouchou à nous. Gros poutou. Les lutins s'occupaient de Tom et Cindy quand ils étaient bébés. C'est la meilleure garderie féerique que je connaisse. Tom, tu aurais quand même pu lui dire qu'il fallait lui caresser les oreilles. T'inquiète, grâce à son instinct de fée, elle va trouver toute seule. Affirmatif. Oui, monsieur. Code confirmé. Opération chacal ventriloque. Ne t'inquiète pas si j'ai un comportement étrange. Ce sont de simples mesures de sécurité. Rapport à une mission top secrète. Oh, des agents secrets. Chut. Malheureuse. On nous écoute sûrement. Micro piégé, ils en mettent vraiment partout. Tu veux dire qu'on est en danger? Moins tu en sauras, mieux ce sera. Sache seulement que le monde libre est menacé par un groupe terroriste et que je suis sur leur trace. Reçu 5 sur 5. On va leur botter les fesses ensemble, mon colonel. Comment ça, on? Sur la quatrième vertèbre et c'est l'immobilisation immédiate. Tac, tac, tac. Vous pouvez compter sur moi, chef. Bip, bip, bip. Ah, un appel du commandement central. Je dois partir en mission sur le terrain. Reste ici pour sécuriser la zone. Je serai de retour pour midi. Chef, oui, chef. Présence d'un câblage suspect. Technologie inconnue, c'est de plus en plus louche. Bingo! Un tunnel! Je m'engage. Fascinant. Les forces ennemies ont investi un repère non loin de notre base. Oh non! Ils ont fait prise
nuage d'invisibilité. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Kikou? Parle! Sécurité nationale, personne ne bouge! À toutes les unités, suspect interpellé, je répète, suspect interpellé. Tu vas parler ou je te découpe en brochettes? Allez, crache le morceau! C'est quoi votre plan? Tu vas être fier de moi, chef. J'en ai chopé un. Belle prise, belle prise. On va se le faire avec de la mayonnaise. Hubert, tu vas trop loin. C'est eux, les barbares. Pas nous. Un colis pour Monsieur Hubert. C'est quoi? La dernière pièce de ma collection. Ça fait tellement longtemps que ces petits copains l'attendent. C'est un colis piégé! Le subterfuge est tellement grossier, tu vas pas te laisser prendre! Pas toi! Courage! Ha! Quelle bande d'amateurs! Ils ont cru nous avoir si facilement! Oh! Attends! Ils ont notre adresse? Hubert, ça craint, on est repéré! Vaut mieux tout faire péter! Pour la patrie! C'est pas pour critiquer, mais faut que tu sois plus clair sur le plan stratégique. Là, je sens comme un flou dans ton attitude. Ok, on lance une attaque surprise sur leur QG. Mais avant, on se paye une bonne glace. Vive le chef! Tu veux quel parfum? Désolé, mais j'y vais seul. Je peux pas te laisser prendre ce risque. C'est ça, dans tes rêves. Base ennemie en vue. J'interviens sur zone. Maman! Le carton, il avance tout seul! Oh. Prends ça, traître! Il prépare une offensive à grande échelle. Il faut que le monde sache. On est un indésirable rayon frais, Hubert. Faites votre boulot. Je gère, patron. Mais toi, à couvert! On n'est pas en mission suicide! Alors, mon vieux, vous me la sortez, cette mouche? Oui, monsieur. Affirmatif. Ordre de l'état-major. Mission annulée, on évacue. Hop, hop, hop. Laisse tomber les ordres, Hubert. Enfonce dans le tas. Bien m'aider. Elle a sûrement une capsule de cyanure dans les dents. Qu'est-ce qui m'arrive? Tout est sous contrôle, madame. Pas de panique. Ça vous prend souvent d'agresser des personnes âgées? On n'est pas autorisé à vous donner nos infos, c'est classé top secret. Tu fais la maline en plus. Parfaitement. Et si tu veux tout savoir, j'aime pas les poulets. Elle plaisante, je peux vous parler seul à seul?